Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Technique sur mon entraîneur perso. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de licences au tennis en France. Au tennis en France, il existe trois types de licences. La licence club, la licence découverte et la licence scolaire. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de tarifs parce que d'une année sur l'autre, les tarifs changent. Commençons par la licence club. Elle démarre le 1er septembre jusqu'au 31 août. Elle vous permet de faire de la compétition si vous possédez un certificat de non-contre-indication à la pratique du tennis en compétition délivré par un médecin. Elle vous permet également de faire des matchs libres pour les 4e série et les non-classés. Elle vous permet d'avoir des réductions chez les différents partenaires de la fédération. Elle vous permet d'avoir des avantages sur certains tournois WTA et ATP en France. Elle vous permet également d'avoir des réductions sur des places à Roland-Garros. Ensuite, il y a la licence découverte, donc qui est valable uniquement 3 mois pour les plus de 15 ans à partir du 25 mars. Elle est faite uniquement pour les gens qui n'auraient jamais eu une licence à la Fédération française de tennis. Et cette licence, donc la licence découverte, ne permet pas de pratiquer de la compétition. Ensuite, il y a la licence scolaire qui est valable maximum 3 mois pour tous les enfants qui, dans le cas d'une activité scolaire ou périscolaire, peuvent bénéficier. Et évidemment, elle ne permet pas non plus la pratique de la compétition. J'espère que je vous aurai bien expliqué les différents types de licences dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Nous, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!